akimpila mi décidé parce que yeso asele kagasa laniso akete yape amu baba timbe azana devontile timbe afalo batene yama bon gonjo na sambi jusqu'à laso simbi yeda tene bi linda bala kambi vonje so si asele kagasa na se watimbi gonjo na na 16 ans et puis mais que mlingi kodro tena santrafiki zubate mzo babatni anda buyaka kirwa cha silika mwala ligi kanga ala pikala ala usoko ku azazu bate mbizo na mama na kita kita ngambini bisa shoni mingi Melingi sumbi fa bipeji jiko nombo tape melingi comme kota zumpe jiko nombo nape bimbi na 15 ans na tanto asele kaga abubaiti mamati afa babati kwe misa shonye mingi parce que minga ke konjo cha paron me ngba na betimbi misa shonye mingi mbe fazo bi fa bachazo Donc, quand on a un bête, on a lasso parce que on a un zola, on a un zola, on a un bête qui a été retiré, on a un bête qui a été retiré, on a un bête qui a été retiré, on a un bête qui a C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Ça a commencé par des soubresauts politico-militaires dans les années 1996 et aussitôt les enfants de la rue, dites enfants de la rue, ont commencé à être associés à ce phénomène-là, comme on les utilise, hein, pour, soit pour la logistique, soit pour servir un peu d'éclaireur, hein, pour aller regarder, venir servir la cause, peut-être d'abord dans le cadre des mutineries, ensuite dans le cadre des rébellions hein, qui se sont produits en Centrafrique et qui ont lien directement avec la déstabilisation du pays. Ati group ti so ikiduchi ina kutazuchi na komandachi na colonelchi akigi iwani na azula kimuna ikobe yoke ikichiri goichiri kiri ala kimuna ikobe ikite epi ikivaksina yoro epi kite akobe na yoro asarasi yoro na remonte ititene kamem iduchi metene moti apeso mopmonangangu te mochirape itena imetrize terechi iduchi kwa mikiketi na milicha kutazuni so ala laki muna ya wangu akonsichi tena iariteni paske ala baki iper dambi na zumingi asarsi laso plan mitrize iduchi si ala gawara iso. Donc c'est des structures à la base qui nous aident dans l'identification de ces enfants-là. Puisque le fardeau de ces enfants-là est tellement lourd que parfois même ils ont tendance à se cacher, puisque ce n'est jamais évident d'être regardé, d'être vu comme un enfant ex-soldat.
Donc, on a mené hier que dans et que et que tissa molengeni n'a et où il go par porte et encore n'amolengeni. Tite n'a su voir chef de foyer, encore quand tite que à bord de mettre molengeni tite tite la changer encore pour du coup ça la tala. Bon, à que mené quoi suis ça la volontariat. Et non pas mais il y a mon condition là-bas où il sera quoi tu contrôles toi à que peut tu le dire n'y a pas. Même ton ami a participé à ça, tu ne m'as conduit à quoi, m'as conduit à quoi, défendre ni quoi tu volontariat, il te reste quoi de tia d'une assiri. C'est pour cela qu'il faut même dans la yanga da, il peut te goûter pour n'amlingeni, tu te bottes mettre amlingeni, tu te gala changer. Maintenant, à côté de cela, il y a une vaste campagne de sensibilisation, d'information et de formation qui vise véritablement non seulement à prendre en charge ces cas de violation qui sont avérés, qui existent, mais également de les prévenir pour qu'à l'avenir, de pareilles violations ne puissent pas se répéter au niveau de la zone de la Mambérékane. Si nous identifions des cas très sensibles, nous les plaçons au niveau des familles d'accueil temporaires, le temps de déclencher le processus de recherche familiale. Tout le monde déjà là ni à Ebelema soit à Londo ni là à Mescala à Moulo na bagetti na kobo. On dépine batigi parati le ywara fait jusqu'à Stel Fariso ywara à famille tila fait ni là jusqu'à Fariso l'embagnez. Paliti wara genando tilo astel tikozo lo duti pendre me deza fariso litilo atourneso lo inga iso tilo esara pe kete marige ko lo mulo e pika lo esara i kirkir fariso na ati babani inga ko mai soti esara na ndonya Le projet que l'ambassade soutient ici au travers de plan international, c'est essentiellement d'orienter cet accompagnement sur un axe professionnalisant dans le secteur agricole, parce que l'essentiel des perspectives d'insertion des jeunes, c'est dans le domaine agricole. Et on a un potentiel extraordinaire ici, c'est qu'on a déjà une ville berbératique et relativement peuplée. Il y a un potentiel de vente tout à fait possible, mais il faut que ces jeunes puissent être accompagnés. Alors comment? Eh bien, ce qu'on apprécie dans la démarche de plan international c'est que, et de l'ONG Quisito, une ONG nationale, c'est cette démarche conjointe entre une formation sur plusieurs mois, mais aussi la recherche d'une réinsertion sociale. Ce travail de formation, d'accompagnement à la maîtrise d'un métier participe de la reconstruction d'une personnalité d'un enfant qui a été enrôlé dans un groupe armé et en même temps victime de ces groupes armés et donc psychologiquement en besoin de reconstruction. Est un projet test, c'est à titre expérimental, qui ne touche que 65 enfants soldats. Je dois dire que c'est une partie véritablement infime par rapport à l'ampleur des enfants soldats au niveau de la Mambérékane en particulier et de la Centrafrique en général. Donc l'appel que je voudrais lancer, c'est de dire que c'est un phénomène qui se pose avec acuité au niveau de la Centrafrique. Et que véritablement les acteurs qui sont sur le terrain ont besoin d'être accompagnés sur le plan institutionnel, sur le plan technique et surtout sur le plan financier pour pouvoir apporter une réponse adaptée à ces enfants-là, ex-soldats. Puisque si on ne le fait pas, il y a des risques que véritablement ces enfants-là puissent tomber soit dans la délinquance ou tout simplement retrouver les groupes armés.